Venez voir un peu là. Un jeune homme de 15 ans qui est soldat romain et qui, à son époque, est invité à sacrifier à l'empereur, c'est-à-dire à reconnaître l'empereur comme un dieu vivant. Et ce jeune homme a entendu parler de Jésus. Il est lui-même baptisé et il ne se sent pas de poser cet acte qui l'éloignerait de Jésus, de ce Dieu auquel il croit. Et il veut être fidèle jusqu'au bout à Jésus, à ce Dieu d'amour qu'il a découvert dans sa vie. Et il le paiera au prix de sa vie. Et très vite, son témoignage s'est répandu à travers le monde de l'époque. Sans doute grâce à la voix aurélienne là, qui passe ici, au point que il y a ce lieu de pèlerinage qui est dédié à Saint Pancras. Alors moi j'aime beaucoup venir à Saint Pancras parce que d'abord je pense qu'on a beaucoup à recevoir des plus jeunes et que découvrir que des plus jeunes sont capables de donner le témoignage de leur vie pour faire progresser l'amour, pour faire progresser la paix, je crois que c'est quelque chose d'important. Et je voudrais que nous fassions ce pèlerinage ce matin pour penser aux jeunes de nos familles, aux jeunes de notre société, qui auront à construire celle-ci, à apporter leur pierre à l'édifice, comme on dit. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on puisse prier pour les vocations, que les jeunes puissent découvrir qu'ils sont attendus quelque part, qu'ils sont appelés à donner un témoignage, à donner à leur manière, à leur façon, et bien ce qu'ils ont dans leur trip et dans leur cœur pour construire le monde de demain. Ah oui, puis donne une ferment et fraternelle. Donne à nos communautés la ferveur de la foi, de l'espérance et de la charité. Fais que jamais ne manque le pain de ta parole, de ta miséricorde et de ton corps. Comme au temps de tes premiers disciples, choisis et appelle ceux que tu veux pour qu'ils vivent de toi et soient envoyés où tu voudras et fais-leur connaître la sainte joie de tout donner pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouais, ça devient juste, hein. Ça dépend pour toi. Par contre, un truc qui est super, c'est aussi. Oui, aussi, je la mets en écharpe aussi. Aussi, je sais que. Jamais plus là, c'est tout. C'est surtout que vous allez avoir une séance, vous aurez 2 heures. Et on a le petit poulet qui est là. C'est une pouliche qui est femelle. Et elle est à la mer, donc elle voit. Thank you.
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.